Bonjour, je m'appelle Alex Olivier. Et moi, Nicolas. Nous avons fait une résolution à problème à l'école, puis on aimerait vous la présenter. Moi, je vais vous lire parce que c'était le problème. Ben, il y avait 48 élèves de 5e année qui participaient à un concours de rédaction. Après le concours, il y a un membre du jury qui a donné les résultats à Jocelyne. Puis là, après, on a organisé un appel de chaîne téléphonique pour communiquer aux élèves. Puis là, je vais vous montrer... Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait l'appel de la chaîne téléphonique. À 16h30, ben, Jasmine, j'ai appelé deux élèves. Là. Jasmine a appelé deux élèves. Ça fait à 16h30, Jasmine a appelé deux élèves. Ça fait ben, une, deux, trois. Ben, trois élèves à 16h30. Là, à 16h45, chacun des deux élèves a appelé deux autres. Ça fait et deux, non, chacun a appelé deux autres. Ça fait à 16h45, toutes les autres, ça fait, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y avait 7 élèves qui le savaient. Puis là, à 17h, chacun, ces 4 élèves ont appelé 2 élèves de plus, ça fait, les 4 élèves ont chacun appelé 2 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À 17h, il y avait 15 élèves qui le savaient. Puis là, ça continue jusqu'à un tel nombre. Dans les livres, vous expliquez le reste. Ok, ben, nous autres, on avait une grande question dans le problème, puis c'était à quelle heure les grands élèves qu'on a rentré tous les gagnants du concours de rédaction? Ben, pour savoir la réponse, ben, on avait un tableau, puis on devait écrire les données. À 16h30, Jasmine a appelé deux élèves. Il y a eu deux nouveaux appels effectués. Ben, puis là, puisqu'elle avait appelé deux élèves, Jasmine et les deux élèves le savaient. Il y avait trois élèves qui le savaient. Là, à 16h45, les deux élèves que Jasmine a appelés, on a appelé deux autres. Donc, ça donnerait 4 nouveaux appels. Puis là, si on additionne le nombre total des élèves qui connaissent les gagnants précédents au nombre d'appels effectués à l'heure qu'on a additionné, puis qu'on les additionne, ça donne 7. Mais là, on n'est pas encore rendu aux 48 élèves. Alors, on continue notre tableau. À 17h, les 4 personnes qui ont été appelées, on a appelé 2 autres, chacun. Donc, si on fait x2, ça donne 8. Puis si on additionne encore le nombre de total des élèves qui connaissent les gagnants précédents par le nombre d'appels effectués qu'on vient de multiplier, ben, ça donne 15. Voilà, on n'est pas encore rendu à 48. Ça va continuer. À 17h15, si les 8 personnes qui ont été appelées en dernier, on a appelé 2 autres chacun. Donc, si on le multiplie par 2, ça donnerait 16. Puis, si on l'additionne, ça donne 31. Mais là, on n'est pas encore rendu à 48. Donc, on va continuer encore. À 17h30, si on multiplie le nombre des personnes qui ont été effectuées par 2, ça donne 32. Si on additionne le nombre de total des élèves qui connaissent les gagnants au nombre des nouveaux appels effectués, ça donne 63. Donc là, on a dépassé 42. Cela, on va répondre à notre question principale. À quelle heure les 48 élèves qu'on a senti tous les gagnants du concours de rédaction?
Ben, c'est à 17h30. On avait trois autres questions. La A. Combien de nouveaux appels sont effectués à 16h30? Ben, à 16h30, avec les nouveaux appels effectués, il y en avait deux. So, là. Il y en avait deux. La B. Combien de nouveaux appels sont effectués à 16h45? Ben, à 16h45, dans les nouveaux appels, il y en avait quatre. on avait une autre question dans la B. Combien d'élèves connaissent les gagnants après les appels de 16h45? Mais si on retourne à 16h45, au total des élèves qui connaissent les gagnants, il y en avait 7. Là, on avait la C. Combien de nouveaux appels sont effectués à 17h? Mais si on va à 17h, puis qu'on va aux nouveaux appels, ben, là, il y en avait 8. Là, on avait une autre question dans la C. Combien d'élèves connaissent les gagnants après les appels de 17h? Ben, si quand on en sort encore 17h, puis on va au total des élèves qui connaissent les gagnants, il y en avait 15. Merci et bonne journée.